Altesse Royale, Monsieur le Premier ministre et ministre de la Culture, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs et Mesdames les membres du gouvernement, Madame la bourgmestre de la ville de Luxembourg, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Premier ministre honoraire et président honoraire du MUDAM, chers membres du conseil d'administration, Mesdames et Messieurs, chers amis, bienvenue au MUDAM aujourd'hui pour fêter le 10e anniversaire de ce lieu magnifique. Et d'emblée, nous avons le grand honneur d'accueillir Son Altesse Royale, la Grande-Duchesse héritière et présidente de la Fondation Musée d'Art Moderne Grand-Duc Jean. Excellences, Monsieur le Premier ministre, Messieurs les ministres, Madame la bourgmestre, chers amis du MUDAM, herzlich willkommen. Nous célébrons ce soir les 10 ans du MUDAM. 10 ans pour un musée, c'est jeune, mais vu qu'il est contemporain, on le lui pardonne. Pour autant, le MUDAM, ce n'est pas seulement un musée. C'est aussi le MUDAM Café, la MUD Academy, le MUDAM Shop, les MUDAMI, le MUDAMINI et j'en passe. Le MUDAM se décline sous 1000 facettes riches et variées, à la plus grande joie des grands comme des petits. La décision de bâtir un musée d'art contemporain remonte officiellement à 1989. Sous le mandat de M. Santer, mon prédécesseur à la tête du conseil d'administration, je profite de cet instant pour le saluer et le remercier chaleureusement, ainsi que son conseil, pour l'excellent travail accompli ces 10 dernières années. 1989 est une année symbolique. On y fêtait les 150 ans de l'indépendance du Grand-Duché de Luxembourg, mais aussi une période symbolique. En effet, les années 90 voient l'émergence d'une panoplie de nouveaux bâtiments. La Philharmonie, la Coque et la Rocale sont construits, le Grand Théâtre et l'abbaye de Neumünster sont rénovés. Le MUDAM a trouvé sa place dans un Luxembourg en pleine mutation, au beau milieu d'un de ses plus vastes chantiers, le Kirchberg. D'abord, les moutons ont pu observer le développement de l'Europe, puis l'Europe a pu admirer l'émergence du MUDAM. Aujourd'hui, le MUDAM surveille la construction du tram. Je tiens ici à remercier chaleureusement toutes les nombreuses personnes qui ont œuvré à ce projet, et surtout les travailleurs de l'ombre, ceux que l'on oublie, mais sans qui ne nous serions pas là aujourd'hui. Cette fête leur est adressée, ces 10 bougies leur appartiennent. Nous les soufflerons donc ensemble, beau symbole de la continuité et de la foi en l'avenir. L'histoire du MUDAM ne commence pas en 1989 et elle est loin de se terminer en 2016. Un anniversaire n'est pas une finalité, il marque surtout le début d'une nouvelle décennie. Mesdames, Messieurs, que serait le MUDAM sans ses ambassadeurs? Tout d'abord, notre architecte, M. Pei. Sa renommée internationale passe naturellement le MUDAM sur la carte architecturale du monde. M. Pei disait vouloir faire de ce musée un écrin pour l'art contemporain. Il en a en plus fait un écrin pour l'image du Luxembourg vers l'Europe et vers le monde. Le musée du Louvre a une pyramide, nous avons une forteresse des temps modernes. Ensuite, autre ambassadeur de renom, c'est nous, luxembourgeois, luxembourgeoises, fiers de notre pays, de notre offre culturelle. N'hésitons pas à parler de nous, de nos musées. Parlons-en, encore plus, toujours plus. Nos musées sont de belles cartes de visite. Une carte de visite, cela ne se garde pas dans sa poche, cela se distribue. Zum Schluss will ich haben nach eng Person für die Verdenkste an der Konche fürheben. Ein Mensch, der mir ganz besonders am Herz leid. Ich schwätze vom Grand-Duc Jean. Wir waren 24 Wochen zusammen hier für 4 Beredungen von der Ausstellung von Wim Delvaux zu bewundern. Der Grand-Duc Jean war glücklich, er war hoffrisch, immens interessiert, unwahrscheinlich begeistert. Wenn wir uns gehen für Förder springen,
dei onmos ech Begeisterung schwit Kunst, ob as jung Generationen sie verdrohen, dann wäre mir ganz große Schritt mehr weit. Net vergessen, weil ich auch erwart, Grandissesse Josephine Charlotte. Kunst, mir vier und allem zeitgenössisch Kunst, war hier groß Leidenschaft. Haut war sie hofrisch, war sie gesehen, was hier Land ob dem Gebiet alles ob B Prost tut. Et maintenant, j'aimerais m'adresser aux jeunes parmi nous. Adolescente, je me suis demandé à quoi servait un musée. Du haut de mes 15 ans, la conclusion était rapide et peu nuancée, à pas grand-chose. C'est un endroit où l'on expose des objets joliment, les uns à côté des autres, on y pend des tableaux au mur, et puis surtout, c'est un endroit où on me force à aller pendant les vacances. Maintenant, j'ai compris. Un musée, et surtout un musée d'art contemporain, c'est peut-être cela, mais c'est surtout autre chose. C'est un endroit où l'on peut rêver, un endroit où tout rêve est permis. La télévision nous abreuve d'informations, construit le monde à notre place. L'art, lui, suggère. Le monde, c'est nous qui le construisons. N'est-ce pas là extraordinaire? Si nous pouvons rêver, nous pouvons nous émerveiller. Où pouvons-nous encore nous émerveiller dans notre monde? Qui laisse encore à nos jeunes ce droit le plus élémentaire de l'enfance? L'actualité nous l'empêche. La violence est omniprésente. Il faut pallier à cela. C'est le rôle de l'art. Un enfant émerveillé a de petites étoiles dans les yeux et ces petites étoiles valent de l'or. Enfin, l'art rend curieux. Un peuple curieux devient inventif. Un peuple inventif crée. Et qui crée, avance et se développe. N'est-ce pas cela que nous voulons pour notre si beau pays? Je vous remercie pour votre attention. Altesse Royale, Madame la Présidente, merci beaucoup. Et nous accueillons maintenant Monsieur le Premier ministre et ministre de la Culture, Monsieur Xavier Bettel. Monseigneur, Madame, Monsieur le Président, chers collègues du gouvernement, du Parlement, du Conseil d'administration, Excellences, chers amis, tout d'abord, je me sens confirmé dans le choix Altesse Royale de vous confier la présidence de la Fondation. Quand j'ai les rapports que me font vos collègues administrateurs et quand on voit aussi avec quelle passion vous êtes attaché à la tâche de président de cette fondation, et croyez-moi, et que je le sais, que le grand-duc Jean est très fier que la grand-duchesse héritière ait accepté cette mission de la présidence de la fondation qui porte son nom. En soyez remercié en mon nom personnel et au nom de tous les amateurs de ce musée. Je dis alors 10 ans d'anniversaire. On m'a préparé bien sûr un discours où on va me dire « Oh combien tout se passe bien !» Et c'est vrai, les débuts n'étaient pas faciles. Les débuts n'étaient pas faciles du tout. Et quand on parle des débuts, déjà, et j'ai lu la déclaration chevinale de 88 de la ville de Luxembourg qui avait lancé l'idée de pouvoir, ensemble avec l'État, créer un musée d'art contemporain, et après le travail qui a été fait par décision gouvernementale de créer ce musée ici au Kirchberg. Et je suis très content aussi que Hubert Wurth, qui était un des papas de l'idée à l'époque, aujourd'hui, après sa carrière de diplomate, se trouve membre du conseil d'administration de la fondation qui lui tient tant à cœur. Alors oui, elle a été controversée au début, on parlait plus des pierres, tout le monde a su qu'il existait des manies dorées en Bourgogne, plus que du concept qu'on allait avoir à l'intérieur du musée. Ce qui est triste. Et aujourd'hui, on ne se pose plus cette question. Et les chiffres le disent par eux-mêmes. Nous avons plus de 750 000 visiteurs qui ont été accueillis ici au sein du MUDAM. Mais permettez-moi de faire un lien. Ce matin, nous avions les Assises de la Culture où, ensemble avec M. le secrétaire d'État Arendt, nous avons discuté avec les différents acteurs de la culture, de la situation de la culture, des défis de la culture. Et que c'est certes, quand vous avez tous les acteurs de la culture, les intérêts des uns ne sont pas nécessairement les intérêts des autres, mais que nous avons besoin
de la culture plus que jamais. Et je me permets de répéter quelque chose que j'ai dit ce matin. Et Altesse Royale, permettez-moi aussi de reprendre un propos que vous avez eu. Nous vivons dans une époque où actuellement, des partis politiques qui essayent de nous diviser, qui essayent de nous faire croire que la multiplicité, la différence que l'on a dans la culture est une faiblesse. Alors que la différence de la culture fait notre richesse et que le Luxembourg, sans ses différences, sans ses multifacettes qu'il a, ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est. Ne tombons pas dans ce piège de ces personnes qui essayent de nous diviser et d'avoir peur l'un de l'autre. Et la culture fait partie de ce ciment qui nous permet de tenir ensemble. Et en soyons fiers. Altesse Royale, mesdames, messieurs, la programmation a aussi été contestée de temps en temps ici. Alors je suis très content de revoir Wim Delvoye ici, qui, avec le cloaca, et on l'a de nouveau pour notre anniversaire, et là où alors, je me rappelle d'une œuvre d'art que pour certains, c'était Das Kaupboden, le tas de terre, pour l'exposition inaugurale 2006 que nous avions ici. Mais la culture et l'art, et on m'a demandé quand je suis devenu ministre de la Culture, c'est quoi la définition de la culture ? Ne le prenez pas mal et ne dites pas que le ministre de la Culture est nul parce qu'il ne va pas vous donner la définition. Mais la culture, c'est le fait d'avoir quelqu'un qui crée quelque chose et des personnes qui le regardent, qui le critiquent, qui l'écoutent, qui le lisent, qui le regardent. Mais c'est ça la culture. Et devoir donner une définition de la culture, ce qui est culturel ou pas, car chacun a une impression ou un sentiment par rapport à la culture qui est différent. C'est ça ce qui fait la richesse de la culture. Alors c'est vrai que avant d'être ministre de la Culture, j'avais tendance à dire quelque chose qui ne me plaisait pas, je trouve ça moche. C'est un mot que j'ai barré de mon jargon, car un ministre de la Culture qui dit de quelque chose qu'il est moche n'est pas... Alors j'explique maintenant que je trouve que c'est plus compliqué, plus complexe. Le problème qui m'est arrivé, c'est que la dernière fois j'étais à un vernissage et l'artiste me demande « Vous trouvez ça comment ?» J'ai dit « Complexe ». Elle m'a dit « Donc c'est moche ». J'ai dit « Non, c'est vraiment complexe ». Mais tout simplement, ce que vous trouvez intéressant, quelqu'un d'autre peut le trouver pas intéressant. Et c'est ça ce qui est la force de la culture, d'avoir cette tolérance, d'accepter que quelqu'un apprécie quelque chose que vous, vous n'appréciez pas, ou au contrario. Et aujourd'hui, le MUDAM a trouvé sa place. Le MUDAM est l'établissement culturel le plus visité au Grand du Luxembourg. Et dans nos sondages qu'on a fait il n'y a pas longtemps, il est aussi celui que les Luxembourgeois citent le plus souvent comme établissement. Et ces œuvres sont demandées à l'étranger. On nous demande de les prêter. On nous demande notre savoir-faire. Nous avons réussi aussi à stimuler la scène artistique luxembourgeoise et régionale grâce à des nombreuses occasions que nous offrons ici aux artistes pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire du MUDAM, un quotidien luxembourgeois a fait un sondage. Je vous demanderai de participer à ce sondage. Car les premières personnes qui ont participé, quand on leur demande le 10e anniversaire du MUDAM, pour vous, c'est quoi? C'est superficiel. 52% des gens dans ce sondage ont répondu ça aujourd'hui. Je suis convaincu que 51,9% des gens qui ont répondu ça n'ont jamais mis un pied ici. Donc il est important, en tant que ministère de la Culture, en tant que gens qui s'intéressent à la culture, que nous savons, nous, ce que nous apporte la culture, mais que nous arrivions à partager cette passion, à partager ce savoir, à partager cette plateforme de tolérance, d'acceptation, de créativité avec les gens qui aujourd'hui ne sont pas encore sensibles. Je sais qu'on a du boulot en tant que ministère de la Culture et qu'on doit travailler ensemble avec l'école, avec sensibiliser les gens et éviter d'avoir des cultures parallèles dans un pays où 50% des gens n'ont pas de passeport luxembourgeois, que nous avons besoin de cultures aussi communes où nous arrivons à apprendre l'un de l'autre. Je tiens à remercier Jacques Santerre, cher Jacques, qui a été Premier ministre et aussi ministre de la Culture. Et c'est toi-même qui me l'as dit que c'était bien de cumuler les deux, mais tu n'as jamais été ministre des Cultes, m'as-tu dit. Donc j'avais une casquette en plus que la tienne à ce niveau-là. Mais je tiens à te remercier aussi car tu as été pendant de nombreuses années président du conseil d'administration. Donc après 10 ans, le MUDAM sort de son époque teenager. Il devient, teenager, il n'est plus
un enfant, et je suis convaincu qu'il va continuer à nous offrir pendant la prochaine décennie et les suivantes de nombreuses occasions de nous étonner, de nous surprendre, de nous émerveiller, de provoquer de la critique. Mais soyons fiers de ce que nous savons faire, soyons fiers des endroits que nous avons au Grand-Duché de Luxembourg, et sachons que l'image de la culture au Luxembourg, nous devons en être fiers, car si nous-mêmes, nous n'en sommes pas fiers, comment voulez-vous que nos artistes aussi aient des succès à l'étranger ? Donc je vous remercie tous d'être là ici. Je sais que la plupart d'entre vous sont des convaincus de l'importance et de la place de la culture au Grand-Duché de Luxembourg, mais ouvrons nos bouches et ouvrons notre cœur pour faire partager cette passion aux gens qui n'ont pas encore cette sensibilité. Merci beaucoup. J'ai oublié, je voulais remercier Enrico et tout le personnel, et Madame Beau auparavant, pour tout le travail qu'ils ont fait. Car un écrin, c'est une chose, mais sans son équipe et sans la passion de son directeur et de tout son personnel, vous n'auriez pas le succès que vous avez aujourd'hui. De tout cœur, à toi et à toute ton équipe, un grand, grand merci. Monsieur le Premier ministre, cher Xavier, merci beaucoup pour ces mots d'encouragement aussi. Alors, 10 ans, je pense que cette décennie est passée comme un rêve. Une décennie riche en défis à relever, en expositions remarquables et en expériences inoubliables. La liste des projets qui ont fait du MUDAM un lieu unique, un musée d'art contemporain de référence, et un motif de fierté pour de nombreux Luxembourgeois est très longue, et je pense que le mieux serait de prendre le temps de regarder le film qui passe dans l'auditorium et qui recense une partie de cette histoire en 10 chapitres. Mais si le MUDAM est aujourd'hui un succès, il le doit à beaucoup de monde. Et en premier, le gouvernement et à travers le ministère de la Culture, donc tout le gouvernement qui soutient ce musée, le finance et qui permet de le faire vivre. À côté de cela, il y a nos mécènes et ils sont de plus en plus nombreux et très fidèles. Certains sont là depuis le début du musée pour nous permettre de réaliser une programmation ambitieuse et innovante. Et je ne peux pas les citer tous ici, donc je les remercie tous, mais permettez-moi de citer les 3 groupes principaux. D'abord, nos grands mécènes, de l'Air Foundation, GTI, Delphine et Cargolux, les mécènes institutionnels, R&D Medanar, Capital at Work, Foyer Group, PricewaterhouseCoopers, UniCredit Luxembourg SA et de Lou & Lou Foundation, qui soutient notre programme Art Freak, mais qui est aussi mécène de cette exposition de Wim Delvoye que nous venons d'inaugurer. Et puis, pour la collection, nous avons des mécènes qui s'intéressent beaucoup à la collection et qui sont surtout Alan Overy et les amis des musées de Luxembourg. J'aimerais aussi remercier tous les partenaires culturels qui, ces 10 années, ont fait que nous avons établi un réseau national et international et qui témoignent aussi bien de la réputation et du professionnalisme de notre institution. Je ne peux là non plus les citer tous, mais permettez-moi de dire un grand merci aux Stadtmuseen avec lesquels nous travaillons très régulièrement, mais aussi notre grande et belle voisine, la Philharmonie, l'Université de Luxembourg et bien sûr toutes les autres institutions comme le CNA et les centres d'art de Dudelange, la Maison de la Littérature à Merche et plein d'autres encore. Et puis, tout près de nous, dans la grande région, nous avons la chance d'avoir des institutions remarquables et qui sont en partie même plus jeunes que la nôtre. Je pense notamment au Centre Pompidou Metz et je salue la présence d'Emma Lavigne, une très chère amis et collègues, et avec le Centre Pompidou Metz, vous le savez, nous avons dès le début eu des collaborations très enrichissantes.
Là aussi, je pense que, aussi bien avec Emma qu'avec son prédécesseur, Laurent Lebon, nous avons toujours pensé que nos deux institutions étaient complémentaires et qu'ensemble, elles enrichissent notre grande région. Et puis, il y a bien sûr aussi le Saarland Museum à Saarbrücken et un grand nombre d'autres institutions. Je sais qu'il y a dans la salle la directrice de la Kunsthalle Osnabrück, le directeur du Musée national d'art contemporain de Bucarest et beaucoup d'autres. Donc, vous voyez que notre musée a un réseau international et c'est très important. J'aimerais aussi juste dire un grand merci aussi à toute mon équipe. Monsieur le ministre l'a déjà fait, mais je sais que sans elle, tout cela n'aurait pas été possible. Elle travaille au jour le jour pour que ce musée vive et accueille les visiteurs et fasse les expositions qui ont valu cette réputation. Donc, un grand merci aussi à mon équipe. Et puis, aussi, surtout, à tous les artistes que nous avons montrés, qui nous font confiance pour se lancer chaque fois dans des aventures nouvelles et qui rejettent un peu plus loin les limites de ce que nous sommes capables. Et pour terminer, à vous tous, le public, je pense qu'un musée sans public, c'est un lieu triste et ce n'est pas le cas pour le MUDAM, c'est un lieu très vivant et j'espère que vous revoir tous très, très nombreux et très souvent. Alors pour terminer, j'aimerais juste dire ceci. Ces dernières semaines, on m'a souvent demandé « Oui, mais qu'est-ce que sera le MUDAM dans 5 ou 10 ans ?» Parmi les nombreuses réponses possibles, je pense qu'il y a celle-ci. Ensemble, avec tous ceux qui nous soutiennent et en accord avec les orientations voulues par le conseil d'administration, nous ferons tout notre possible pour continuer à faire du MUDAM un lieu de rencontre de l'art contemporain avec tout ce que cela comporte comme notion de liberté de pensée et d'innovation, un lieu de beauté et de contemplation, un lieu d'enrichissement intellectuel aussi, et puis un lieu pour regarder le monde avec une distance poétique et toujours un brin d'humour. Et je pense qu'avec Wim Delvoye, nous sommes bien partis pour une deuxième décennie avec cette orientation. Merci beaucoup et bonne fête au MUDAM ici. Yes. I even don't have to go down here. Pas besoin de présentation pour Patti Smith. Merci de nous offrir en cadeau votre présence. Hello, everybody. This is Tony Shanahan, and Tony and I are very delighted to be here. We're so happy to be here. The museum is beautiful. I feel like I'm in Arts Cathedral, so it's very, 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 very beautiful. So we'd like to do a few songs for you. The first song I was thinking about the place of the artist, and each song resonates the work of the artist. And the first song is going to resonate the struggles of the artist and the constant question the artist asks himself. Am I doing the right thing? Is this the right path for me? And so this is a little salute to the struggles of the artist. Thank you.
dancing in a river, watching it rise. Tattoo fingers shy away from me. Voices, voices mesmerize. Voices, voices beckon and see. Come, 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 come back, come back, come back, come, come back. Spoke of a wheel, tip of a spoon, mouth of a cave. I'm a slave, I'm free. When are you coming? Hope you come soon. Fingers, fingers encircling thee. Come, 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 come back. Come back, come back, come, come for me. Body's aching, excreting your soul. What more can I give you? Baby, I don't know. What more can I do here to make this thing grow? Don't turn your back now, 'cause I'm talking to you. Should I pursue a path so twisted? Should I crawl defeated and gifted? Should I go the length of the river, the royal throw, cry me river? Everything I done for you. All I give my life for you. Every move I made, I move for you. And I came like I magnify you now. Oh, what about it? You gonna leave me? What about it? You don't need me. What about it? I can't live without you. What about it? I never doubted you. What about it? What about it? What about it? What about it? Should I pursue a path so twisted? Should I crawl defeated and gifted? Should I go the length of the river, the royal throw, cry me river? What about it? Oh, what about it? Oh, what about it? Oh, I'm pissing in a river. Thank you. Thank you. So the next song is, of course, every citizen's duty to be aware of the world around us, to be active, to protect nature, to protect our children. But we live in very troubled times, but always optimistic that things, that we can make things better. And the artist's job, of course, is to inspire people. Art does not change the world, people change the world.
but the artist and art can inspire people, give them voice, give them the vocabulary, and ignite and excite their sensibilities. So this little song, Tony and I wrote, and it's called Peaceable Kingdom, and we always dedicate this song to children, the hope of the world. And there are many beautiful children here, and God bless them all. Yesterday I saw you standing there with your hand against the pane, looking out the window at the rain. And I wanted to tell you that your tears were not in vain, but I guess we both knew we'd never be the same, never be the same. Why must we hide all these feelings inside? Strong enough to build it back again, build the peaceable kingdom back again, build it back again. I was dreaming, in my dreaming, of an aspect bright and fair, and my sleeping, it was broken, but my dream, it lingered near, in the farm of shining valleys, where the pure air rarefied, and my senses
newly opened, and I awakened to the cry that the people have the power to redeem the work of fools upon the meek. The grace is showered, it's decreed, the people rule. Thank you. Thank you. Thank you. So Tony and I would like to do one more song. Sorry, I couldn't resist. It's my way of taking selfies. Running through the theme of all art, all work, all existence is love. And so our final song is a little love song. I wrote this song in 1978 for my late husband. I loved him then, I love him now, and I always feel just the joy of being young and full of such optimism and hope. And those things, though on fire when we are young, we must never lose. Never lose our enthusiasm for life, for work, for change, for possibilities. So the museum is beautiful. Congratulations, and we're so happy to be here. I am, hold me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They can't hurt you now. Well, because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. Because the night belongs to lovers. Because the night belongs to us. A ring, the telephone. Love is an angel disguised as lust. Here in our bed until the morning comes. But come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They can't hurt you now.
Thank you. Patty and Johnny, thank you so much for this wonderful present. This was a great moment, and for the 10 years of Moodam, it is just fantastic to have you here. Thank you, Patty. Et maintenant, nous allons continuer avec une performance de Catherine Cohns avec l'ensemble United Instruments of Lucilene. Et cette performance va nous entraîner vers le gâteau d'anniversaire du Moodam. Donc, merci aux musiciens aussi qui ont pu accompagner Patti Smith. Et nous allons suivre maintenant les musiciens pour aller vers le gâteau. Merci.